qu'il avait hâte d'avoir terminé ça. Bon, un instant. Oui, allô? Salut, comment ça va bien? Ah, c'est parfait. Parfait, parce qu'on s'en va voir Brian. Fait qu'on se voit dans 10 minutes, Jay. Yes. OK, ciao. Merci, bye. Donc, on s'en va voir Brian, mais avant... Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Mais avant de vous dire c'est quoi au juste, je vais vous parler de mon fils Brian. Brian, lorsqu'il était en cinquième année au primaire, il a commencé à fréquenter l'école anglophone. Donc, aller jusque-là, il allait à l'école francophone. Et puis, nos quatre enfants, cette même année, ont commencé à aller à l'école anglophone. Deux ou trois semaines après le début des classes, Brian est arrivé avec son premier résultat d'un examen en mathématiques. Son résultat était de 1 sur 20. 1 sur 20? Vous savez, sa mère et moi, à ce moment-là, on aurait pu dire « Non, mais qu'est-ce que tu as fait là encore? 1 sur 20, tu ne feras jamais rien de bon, tu vas finir comme mon oncle Intel un jour. » Selon vous, si on traitait toujours Brian de cette façon, comment Brian terminait? Il terminerait comme mon oncle Intel. Mais vous savez quoi? On n'a jamais vu Brian comme un 1 sur 20. En passant, Brian n'a pas de mon oncle Intel. Non, non, il n'y en a pas. On n'a jamais vu Brian comme un 1 sur 20, mais on l'a toujours vu comme un 20 sur 20. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ça doit être le changement de langue, il doit y avoir un stress, bon, quelque chose d'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a travaillé sur ses attitudes, sur sa confiance en lui, sur le travail, sur le changement. Et puis, vous savez quoi? Deux semaines plus tard, Brian arrive avec un autre résultat, 19 sur 20. On n'était pas surpris, non, mais pas du tout. Mais 19 sur 20, ça ressemblait davantage à Brian, parce que nous, on l'a toujours vu comme un 20 sur 20. Vous savez, ça, c'est à peu près le début du parcours de Brian. Et puis, il s'est passé quoi entre ce 1 sur 20 et ce 19 sur 20? Il s'est passé tout simplement qu'il a passé de la peur et du doute à la persévérance, au travail, la détermination, toutes les qualités qui peuvent faire d'un jeune qu'il peut réussir. Et ça ici, c'est l'effet Pygmalion qui s'est mis en jeu. L'effet Pygmalion, c'est que, surtout envers les jeunes auront toujours tendance à devenir comme on les perçoit, comme les adultes les perçoivent. Et puis, si on perçoit un jeune comme un 1 sur 20, il aura toujours tendance à ressembler à un 1 sur 20. Et si on le perçoit comme un 20 sur 20, bien, ses notes ressembleront davantage à ça. Et puis, je vais vous placer une vidéo, un lien vers une vidéo que j'ai faite il y a quelques années de ça. Et puis, j'y explique l'effet Pygmalion. Ça vous permettra de mieux comprendre. Au niveau éducatif, là, je vous encourage à aller voir cette vidéo. En passant, c'est une très vieille vidéo. Là, j'étais un petit peu plus joufflu. Là, mais je vous encourage à aller voir cette vidéo. Donc, voyez-vous, ça ressemble un petit peu au début du parcours de Brian. Mais le parcours de Brian ressemble à notre parcours de vie. Hein? Donc, on a des hauts, puis on a des bas, puis on a des hauts, puis on a des bas. Et puis, vous savez, aujourd'hui, Brian vit une belle étape dans sa vie. Et puis, des hauts, des bas, il en a eu. Et puis, chacun de nous, on en a. Même une journée peut ressembler à des hauts et des bas. C'est rare qu'une journée va ressembler à ce qu'on avait planifié au début. Donc, je vous propose une chose, c'est qu'on va aller voir Brian aujourd'hui. Et puis, mais avant d'aller le voir, je devrais me changer, me raser un peu, là, faire quelque chose avec ce bonhomme-là. Mais on va aller voir Brian et puis je vais vous le présenter. Et on va même aller vivre ensemble ce que Brian vit aujourd'hui comme belle étape dans sa vie. Donc, vous êtes prêts? On va aller voir Brian. Mais avant, il faut faire de quoi avec ce gars-là? Hein? Il faut le rendre un petit peu présentable. Donc, on y va. Let's go! Donc oui, on s'en va voir Brian, mais avant, on doit se rendre dans une ville voisine parce que Brian demeure dans une autre ville à 30 minutes de chez nous. Depuis une couple d'années environ, Brian a déménagé là-bas avec sa copine, Caroline, et l'objectif, c'est de se rapprocher premièrement de l'université à laquelle ils vont, et puis de leur travail aussi, qu'ils ont les soirs et les fins de semaine. Mais normalement, Brian vient nous rendre visite, là, s'en vient dans notre ville à partir du vendredi soir au dimanche soir, là, et puis il est là-bas 5 jours par semaine. Donc, oui, on s'en va voir Brian, mais avant, on doit s'en aller dans une autre ville. Avez-vous hâte de voir Brian? Eh oui, on s'en va voir Brian, mais avant, on doit se rendre chez mon détaillant de produits de piscine parce qu'on a
Maintenant, on est prêt à aller voir Brian. Pour vous parler un petit peu de Brian, continuer à vous raconter son histoire. Son histoire ressemble à l'histoire de bien des gens que j'ai connus. Et puis Brian, son école primaire, c'est très bien fait. Brian est parfaitement bilingue, le temps de le dire. Par contre, lorsqu'il est arrivé au secondaire, comme bien des jeunes, entre autres sur un secondaire 4, Brian était prêt à abandonner l'école. Et puis, vous savez, le doute, le découragement, il ne savait pas trop où est-ce qu'il s'en allait. Et puis, vous savez, Brian, à cette époque-là, il était plutôt petit. Petit en grandeur, petit en taille aussi. Et puis, même si il faisait du sport, hein, il pratiquait les arts martiaux avec nous, Brian ne grossissait pas comme la plupart des jeunes veulent grossir. Hein? Et puis, bon, ben, c'était son cas que lui, comme bien d'autres, bon, il ne grandissait pas aussi rapidement qu'il aimerait. Et puis, tout à coup, Brian s'est mis à exploser. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à lifter. Brian a commencé à aller au gym et à lever des poids. Et puis, je vais vous mettre un lien de qu'est-ce qu'il est devenu en dedans de 2 ans. Vous allez voir, hein, lever, là, je crois que c'est 400 lignes sur cette vidéo-là. Donc, je vais vous mettre un lien pour que vous voyez cette vidéo-là qui dure que quelques secondes seulement. Je vous invite à aller voir ça, ça vaut la peine. Et puis, seulement pour voir l'expansion qu'un jeune peut faire, là, aussitôt qu'il commence à faire du sport, aussitôt qu'il commence à lever des poids. Et puis, par la suite, Brian est arrivé à l'école au cégep. Donc, il a persévéré, il a eu son diplôme d'école secondaire, études secondaires, et puis il s'est rendu au cégep. Et puis, encore là, au cégep, Brian n'était pas là dans ses études. Brian avait beaucoup de difficultés, les mathématiques aussi, c'était pas son fort tout le temps. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas là. Et puis, bon, en fait, je crois qu'il a passé plus de temps à écouter des bandes dessinées manga pendant des heures chaque jour. Et vous savez quoi? C'est un échappatoire. Pour ma part, là, c'est une façon de regarder ailleurs pour ne pas être attiré par les études. Donc, il cherchait une façon de faire quelque chose d'autre que de donner de l'attention à l'école. Parce que comme il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait à l'école, mais c'est à lui tirer du chou, c'est certain. Là. Et puis, à un moment donné, Brian a découvert sa voie. Toujours dans sa période où il s'entraînait, moi, je suis convaincu que le fait de s'entraîner, autant un jeune qu'un moins jeune, le fait de s'entraîner nous permet d'embarquer dans un état d'esprit, dans un mindset qui nous dit « Hey, regarde, j'ai du succès dans quelque chose, donc je peux avoir du succès dans d'autres facettes de ma vie. » Puis, c'est ce qui s'est passé avec Brian, jusqu'à ce que Brian arrive à l'université. Et puis, ben, c'est ce qu'on va voir au courant d'un moment, parce que là, on s'en va voir dans le Brian. On va aller voir Brian, mais avant, on doit aller chercher de l'huile de noix de coco. On en a. On n'a pas trouvé, donc on va aller voir un autre endroit pour trouver notre produit, notre huile de noix de coco. C'est important l'huile de noix de coco. Je vous en parlerai à un moment donné dans une vidéo pour vous donner tous les avantages, tous les bienfaits et les propriétés de l'huile de noix de coco. Donc on va aller faire une tentative numéro 2. Tentative numéro 2, donc on est à un endroit où on a peut-être un petit peu plus de chance là, d'en trouver. Donc sûrement. On est chanceux aujourd'hui, il fait beau, beau soleil, on va trouver ce qu'on cherche. On n'a pas trouvé. Donc, oui, on va aller voir Brian, mais avant, on va vraiment trouver le produit qu'on a besoin parce que lorsqu'on va laisser Brian cet après-midi, on n'aura plus le temps. Il sera trop tard pour pouvoir trouver ce qu'on cherche et on en a besoin pour demain matin. Il faut être persévérant. Il faut vraiment être persévérant. Brian nous en a parlé, hein, dans un petit peu son histoire. Là, il nous a glissé un petit mot de ça. Il faut être persévérant pour on trouve ou on arrive à notre objectif. Tiens, 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 juste devant nous, mon beau-frère et puis ma sœur dans leur Camaro vintage. Belle voiture. Tentative numéro 3. Donc, j'espère qu'on va trouver notre huile de noix de coco ici. Sinon,
qu'est-ce qu'on va faire, hein? Aujourd'hui, notre journée ressemble un peu au parcours de Brian. Hein? Ça prend de la persévérance puis de la détermination pour atteindre notre objectif. Mais on ne perd pas espoir. On s'en va voir Brian. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et puis maintenant, on s'en va voir Brian. Brian a atteint une belle étape et puis vous allez voir c'est quoi au juste. Ben, c'est pas une fin en soi l'étape qu'il a atteint, mais c'est une. Lui avait hâte d'avoir terminé ça. Bon, un instant. Oui, allô? Salut, comment ça va? Ça va très bien, Jay, toi? Top shape. Top shape, good. J'entends que tu montes à Québec. Oui? Ah ben oui, c'est possible, mais je passerai dans environ là, une dizaine de minutes. On n'aura pas beaucoup de temps. C'est beau? Oui, c'est parfait. Parfait, parce qu'on s'en va voir Brian. Fait qu'on se voit dans 10 minutes, Jay. Yes. OK, ciao. Merci, bye. Donc, on s'en va voir Brian, mais avant, on va aller prendre la glycémie de Jason. Salut, Jay. Salut. Bon, allez, toi? Super bien, parfait. Bon, Jason, c'est notre fils, notre troisième fils. Puis nos enfants sont tous beaux, hein. Ils tiennent tous à leur mère. On prend ça, Jay? Ouais. Oui, good. Tu peux aider là, c'est pas ça ici. Ah, ah, deux. Ok. Ici, Marine. Ok, une autre shot encore. Ok, on bouge plus. De toute façon, on va la reprendre à un moment donné, puis tu arrives chez vous plus tôt. Puis, ouais. On va s'arranger pour la reprendre. Mais là, tu vois-tu, c'est un signal important. Là. C'est à 5.4. Moi, je vais voir à le prendre en note. Tu sais, j'aurais aimé voir que tu es à 4.9. Là. Mais il y a le nombre d'heures là, qui est un petit peu confus. Là. Ouais. Fait que. Mais tu sais, tu n'es pas au-dessus de 5.5. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Ouais, c'est sûr. Mais quelqu'un qui fait de la résistance à l'insuline aurait vu. Oh, salut Jason, salut. T'as passé ton test. Bravo. Bye bye. Bye, à la prochaine. Salut, man. Maintenant, on s'en va voir Brian. Pour vrai, parce qu'on n'a pas le choix, on peut pas faire d'autres endroits. Ça commence dans 45 minutes. Aujourd'hui, on est en compagnie de la copine de Brian, c'est Caroline. Bonjour Caroline. Hello. Donc aujourd'hui, c'est la collation de Brian. Donc Brian a son bac en administration, administration en finance en fait. Et puis, bon, c'est une étape dans sa vie. On va assister à ça ensemble.
Brian Russo. Hey! Salut Brian, bravo, félicitations! Merci beaucoup! Hey! Puis, tes impressions, c'était le fun? Oui, correct, c'était le fun! Ouais, hein? Ah, vous étiez beaucoup de gens? Mmh. Vous étiez beaucoup? Oui, 650. Hey, bonne soirée! Hey, je veux savoir! Combien d'années? Il est beau, hein? Hey, comme de la mer. Avec ton téléphone, avec ça. C'est officiel. Ah, une toffe. Ben oui, slow. Pas bien pour aimer les barbecues. Non. Tiens, Brian, c'est ton cadeau de fête. Pas content. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. C'est pas la fête à Brian aujourd'hui, c'est sa fête bientôt. Là. Mm-hmm. Mais bon, c'est aujourd'hui que ça a donné pour pouvoir se rencontrer. Ma main contente. Bonne journée. Vas-y avant que je réteigne. Oui, hey, du premier coup. C'est bon. Yes. Brian Russo. Même une journée peut ressembler à des hauts et des bas. C'est rare qu'une journée va ressembler à ce qu'on avait planifié au début.